Bonjour et rebonjour pour ceux qu'on a pu croiser par avant. Bon, ça sera pas très très long. L'idée était simplement de vous informer de quelques procédures et de répondre à des questions s'il y en a actuellement. Donc là, en termes de procédures ou de process, on vient de passer, pour ceux qui nous ont vus, au tribunal de commerce en présence du procureur. On a été entendu en fait hein, sur le dossier qui est en fait le même dossier que celui qui sera présenté au CNOSF. Donc un dossier qui va être examiné, qui a déjà été commencé par examiner par le tribunal et qui le sera encore plus sur les jours qui viennent. On s'attend à une décision mardi, je pense. Et la réunion de conciliation au niveau du CNOSF, elle est prévue maintenant pour jeudi. Voilà, ça c'est en termes de timing. Je laisserai peut-être et Thomas et Laurent vous donner un peu plus de détails. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, on peut y répondre avec plaisir, comme d'habitude. Juste par rapport au délai, est-ce que ce nouveau décalage de 48 heures vous pose problème ou notamment si jamais la décision était négative au CNOSF? Je répondrai d'un point de vue non légal hein, et puis je laisserai Maître Cotteret répondre d'un autre point de vue. Tout délai nous pose problème à deux niveaux. Le niveau le plus important aujourd'hui, c'est de tomber sur la décision finale. Qui on espère sera juste et celle qui devrait être. Donc voilà, le délai pose des problèmes qui viennent avec ce type de décision, entre autres par exemple, et j'ai Thomas à mes côtés, sur les ventes, puisqu'on sait qu'on a des offres, mais qui sont des offres conditionnées, et pourquoi pas hein. Moi je veux dire, si je suis acheteur d'un joueur des Girondins de Bordeaux, je fais la même, c'est-à-dire que je discute du prix, je tombe d'accord avec le joueur, ce qui est le cas pour deux joueurs déjà, mais je fais tout pour ne pas l'acheter avant de savoir où seront les Girondins. Donc tous ces délais en fait entraînent des conséquences économiques pour le club et des conséquences sportives, non pas autant en temps de préparation physique et autres, mais bien sûr en termes de composition et de ouais, sportivement tout simplement. Voilà, c'est mais après c'est pas une excuse. Si nous on se bat au niveau de la direction, au niveau des actionnaires et des créanciers, etc., pour que le club soit en Ligue 2, on attend la même chose et on sait que c'est la même chose pour le sportif, c'est-à-dire qu'on fera tous face à un peu à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Oui, effectivement, ce délai nous permet d'avoir la décision du tribunal, hein, puisqu'on l'attend pour mardi. Et effectivement, il y a une certaine cohérence à avoir la décision du tribunal, même si on perd quelques jours, hein, disons-le clairement, puisque effectivement, on pouvait s'attendre à une audience devant le CNOSF. Au début de semaine, et là c'est uniquement jeudi, mais ça nous permet d'y aller avec cette décision du tribunal. Et il y a un autre point non négligeable, c'est que dans l'attente effectivement de cette décision, la saisine du CNOSF suspend en fait la décision de relégation en national, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, nous sommes toujours juridiquement à cette heure en Ligue 2 et nous espérons évidemment le rester à l'issue de la conciliation. Et puis dernier point, nous considérons que c'est véritablement une conciliation, c'est-à-dire nous espérons un résultat positif à l'issue de l'audience, c'est-à-dire qu'à la vue du sérieux des documents que nous apportons, à la vue du sérieux maintenant attesté, où on l'espère également démontré par le jugement du tribunal de commerce, on espère effectivement que cette audience de conciliation suffira à convaincre et enfin à nous rétablir dans nos droits. Alors, le terme exact, c'est jugement d'homologation. Peut-être une précision là-dessus. Nous avions eu une ordonnance, qui était une ordonnance, on ne s'en était pas caché, tout à fait intermédiaire, hein, qui constatait, un, le non-état de cessation des paiements, ce qui est toujours vrai, et deux, le sérieux des engagements et des accords qui avaient été trouvés avant la première instance. Maintenant, nous allons avoir un jugement, nous l'espérons, hein, puisque c'est ce que nous avons plaidé cet après-midi. Nous allons avoir un jugement qu'à force exécutoire, donc une force la plus forte, hein, bien évidemment, qui n'est pas, comme je l'ai entendu, et il faut réfuter ça, Bordeaux qui parle à Bordeaux, ou le tribunal qui parle, avec quelques élus locaux qui parleraient et qui donneraient une décision. Non, c'est une décision de justice, qui, à force de loi,
qui a force exécutoire, qui est une juridiction comme n'importe quelle autre, si j'ose dire. Il n'y a pas de différence entre des juridictions civiles ou des juridictions commerciales. C'est une juridiction, c'est un jugement et plus une ordonnance. Ça s'est tenu en présence de Monsieur le procureur de la République, qui a donc fait des réquisitions. Donc ça, tout ça, c'est très important. Et le but, c'est l'homologation de l'ensemble de nos accords, ce qui intervient uniquement si le tribunal estime qu'il n'y a pas d'état de cessation des paiements. D'accord, premier critère. Deuxième critère, effectivement, que les accords assurent la pérennité du club, ce qui est recherché, évidemment. Et troisièmement, que l'accord conclu ne cause aucun préjudice à un tiers, c'est-à-dire, par exemple, le fisc ou autre, ce qui est le cas également. Donc, les trois cumulés vont être attestés, ou plutôt vont être pris en compte dans la décision du tribunal. Je dirais simplement, parce que c'est quelque chose qui nous a gênés en termes de communication sur les derniers jours, cette histoire du tribunal de commerce de Bordeaux, qui est quand même assez incroyable, c'est que d'abord, c'est le tribunal juridiction des Girondins de Bordeaux, donc on va pas aller à un tribunal de commerce ailleurs, parce que voilà, ça fonctionne pas comme ça. Mais il faut quand même savoir que le procureur qui fait son réquisitoire, le procureur est quand même représentant de l'État, et donc lui joue un rôle complètement indépendant, et plus qu'indépendant, puisqu'il représente l'État central et tout ce qui va avec. Donc voilà, moi j'aimerais balayer cette histoire, parce que ça on trouve toujours à dire, et ça commence vraiment à bien faire. Juste par rapport à ça, est-ce que le jugement sera du coup dépendant de la décision du CNOSF, et donc que vous évoluez en Ligue 2, puisque pour l'économie du club, ça change quand même beaucoup de choses. Donc est-ce que le jugement va être là, ou est-ce qu'ils vont juger que vous êtes pérenne aussi pour jouer en N1? Alors ils vont juger, non, attention, on a présenté, on n'est pas pérenne pour jouer en N1, on l'a toujours dit, on a été très clair, N1 égale liquidation judiciaire. Ça ne fait aucun doute. Donc, évidemment, tous les éléments qui ont été présentés, c'est la L2, c'est la Ligue 2, évidemment. Donc, il n'y a de pérennité qu'en Ligue 2. Et ça, ce n'est même pas discutable. Et d'un point de vue légal, j'aimerais rajouter que par la saisine du CNOSF, ils ne peuvent juger que l'état des lieux. Et l'état des lieux, c'est que les Girondins de Bordeaux font partie actuellement de la Ligue 2. C'est ce qui est jugé. Donc, l'État, au jour d'aujourd'hui, au jour du jugement de la cessation de paiement, puisqu'elle n'existe pas, le club est absolument pérenne et capable de faire front à ses besoins, qui plus est avec 24 millions de trésorerie gardée sur les comptes séquestres des conciliateurs, et en prenant compte, en fait, l'état de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui a tous les droits de participer à la Ligue 2, puisque la suspension, on va dire, de la décision de la commission d'appel fait qu'on est aujourd'hui en Ligue 2 et plus en National 1. Donc c'est ça qui est jugé. Et dans ce qui est jugé, peut-être pour le redire, parce que c'est on voudrait évacuer toute confusion, en fait, les accords qu'on a présentés sont vraiment les derniers en date, ceux qui renforcent de façon vraiment très significative notre dossier, c'est-à-dire qu'il y a un retraitement de la dette qui est très conséquent. À l'arrivée, c'est 40 millions d'euros qui sortent du bilan du club. On les a expliqués en détail aujourd'hui à nouveau, avec trois étages, 26,5 qui disparaissent définitivement, 8 qui disparaissent en attendant un retour en Ligue 1 et d'autres événements, mais qui sont indépendants de la volonté du club, et 5 par délégation parfaite qui vont sur la grand-mère du club, c'est la société holding JB Dynamie. Donc ça, c'est ce qu'on leur a présenté. Et évidemment, ce qu'on avait déjà dit, c'est que 14 millions d'euros de préfinancement demandés par la DNCG sont aujourd'hui versés sur un compte séquestre à la main du club pour couvrir d'éventuelles ventes qu'on n'aurait pas fait à l'issue du mercato. Donc là, en ce sens-là, on est totalement dans le renfort de notre dossier. Et vous comprendrez bien que notre position, elle est brutalement honnête dans notre appréciation du dossier aujourd'hui, parce que le dossier qu'on a présenté en appel, et je n'arrête pas de le répéter, répondait à tous les points tels qu'ils avaient été énumérés et répondait aux points tels qu'ils ont été répondus, non pas par Thomas Jacquemier ou Gérard Lopez ou même Maître Cotteret, mais par les auditeurs, par un deuxième commissaire aux comptes, par trois cabinets d'avocats, par le conciliateur, par une ordonnance du tribunal de commerce, etc. Donc en fait, c'est même pas qu'on a amélioré le dossier, c'est à notre vue. Alors on va le dire comme ça, on aurait pu prendre un chemin plus juridique, mais on a décidé pour le bien du club de faciliter la tâche de compréhension, de faciliter la tâche de compréhension du dossier. Parce que quand vous arrivez avec une ligne tirable à première demande à la main du club par un des plus grands fonds au monde qui n'a jamais failli
à ses contrats vis-à-vis du club, c'est exactement ce qui est demandé comptablement par la DNCG. Et c'est ce qu'on a donné. Donc de passer de ça à mettre du cash sur un compte conciliateur, en fait, je vais vous dire, la réponse d'un point de vue comptable, si un auditeur vient le regarder, est exactement la même. Sauf que, semblerait-il, voilà, ça fait une différence. Donc on donne cette réponse-là, non pas parce que le dossier en appel n'est lui pas solide, il est plus que solide, mais parce qu'on se dit, bon, bah, on va aller au bout du bout et voir ce qu'il y a au bout du bout. L'audience s'est passée dans la forme habituelle, c'est-à-dire elle était longue, quasiment 2 heures, je crois. Ça obéit à un formalisme assez clair. Les conciliateurs se sont exprimés à peu près pendant 1 heure. Ils ont fait la démonstration de l'ensemble des éléments qu'ils ont recueillis, hein, et dans un rapport assez fouillé, assez long. Je crois qu'il y a plus de 1000 pages au total, hein, donc c'est marquant. Ils ont répondu au mandat qui leur a été donné devant le tribunal. Et puis après, on a pu s'exprimer, faire valoir nos points également. Les salariés et la représentante des salariés s'est également exprimée, puisque vous savez que dans ces processus, hein, c'est très formel. C'est pour ça que ça me fait quand même un peu, je veux dire, rigoler, voire même moins, parce que ça me fait plus tellement rire en réalité, hein, quand j'entends les arguments qui sont fourbis par des agences de communication disant... tendant à dire, bah, c'est pas important, tout ça, et c'est une cuisine interne, etc. Non, non, ça obéit à un formalisme très particulier, hein, et effectivement, on a dû informer le CSE, et effectivement, le CSE s'est prononcé sur la base des informations transmises. Ils ont eu accès, effectivement, aux informations, et donc, il y avait une représentante du CSE, également à l'audience, qui s'est exprimée. Et enfin, monsieur le procureur de la République s'est exprimé à la fin de l'audience dans des réquisitoires, hein, réquisitoires comme ça existe dans différentes instances, comme au pénal, comme au autre. Il a fait donc ses réquisitions et donc ça a été clos. Les débats sont clos après que monsieur le procureur se soit exprimé. Voilà. Quelles sont ces réquisitions, justement ? Je préfère être prudent à ce stade. Effectivement, il a fait des réquisitions. Il a été, on a entendu ses réquisitions. Vous les verrez dans le jugement. Je rappelle que c'est le représentant de l'État. Il s'est exprimé sans ambiguïté sur le dossier. Sans ambiguïté. Donc positivement pour vous ? Je préfère, si vous voulez, à ce stade, vous laisser découvrir la décision qui sera publique et qui sera en principe mardi matin. Je ne veux pas dévoiler les débats de l'audience, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été sans aucune ambiguïté sur le dossier. Aucune. Pour ne pas faire de langue de bois, si aujourd'hui vous blindez votre dossier comme vous le faites devant la justice, c'est que vous pensez que votre dossier aujourd'hui est devenu politique ? ou alors des gens qui sont choisis de par leur CV pour participer à une commission d'appel n'ont pas compris des éléments fondamentaux d'un dossier. J'en rajouterai un aujourd'hui parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais effectivement pendant l'échange avec le tribunal de commerce et avec le procureur, il y a un élément qui est ressorti, bon, dont on connaissait l'existence, mais dont on n'a pas vraiment parlé, qui est peut-être petit par la taille, mais qui est important par la nature, hein, de ce que ça représente, c'est qu'il y a eu un différend qui a opposé les Girondins de Bordeaux à Tours, pour un montant de un peu plus de 100 000, je pense 180 000 euros, ce qui n'est pas rien, ce qui reste quand même de l'argent, mais qui, bon, bah, on peut dire que dans l'ensemble des éléments financiers dont on parle aujourd'hui, peut-être ça ne s'apparente pas à grand-chose, mais ça reste beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas le fond, ce n'est pas le montant. C'est que les Girondins de Bordeaux ont gagné en jugement en première instance. Et la DNCG d'appel nous a voulu qu'on provisionne en fait ce montant-là en disant qu'on avait perdu en première instance. Donc, voilà. Ça fait partie de la longue liste. Mais encore une fois, hein, y a deux façons de voir les choses ce soir. Soit effectivement... on est dans l'acrimonie et effectivement, ce n'est pas notre état d'esprit. Hein. On ne peut que déplorer tout ce qu'on a lu, mais je crois que tout le monde le déplore. Les conciliateurs l'ont fait, etc., etc. Il suffit de reprendre point par point et c'est assez édifiant. Hein. L'erreur sur les PV, l'erreur sur les conditions résolutoires, suspensives, etc. Ce point, enfin, on peut les lister à l'envi, hein, et se dire que, franchement, ce n'est potentiellement pas acceptable.
Enfin, c'est même pas acceptable du tout. On peut raisonner comme ça. Puis on peut aussi se dire que ce qui nous intéresse, c'est le club. C'est qu'il joue toujours en Ligue 2. Et qu'on cesse cet épisode qui nous coûte beaucoup, parce que pendant ce temps-là, on ne vend pas de joueurs. Pendant ce temps-là, on ne peut pas préparer la saison. Pendant ce temps-là, on est toujours dans une spirale infernale. Donc nous, on est plutôt dans l'esprit, là, ce soir, de dire on a tous les éléments sur la table. On a fait cette démonstration. On s'est assuré qu'elle soit validée par le tribunal. C'est-à-dire on aura un jugement d'homologation, ce qui nous avait été reproché hein, par un juriste de la commission qui me dit oh, votre ordonnance à d'autres. C'est évidemment, mais je l'entends ça, hein, ça n'avait pas force de jugement. Et surtout, on avait fait avec les moyens du bord dans le délai qui nous était imparti. Là, on a un jugement d'homologation qui est parfaitement recevable par le CNOSF, parce qu'on peut apporter, je tiens à le dire, et là aussi je tiens à démentir, on peut apporter des éléments devant le CNOSF, ce sont des experts qui l'ont bien regardé, on peut apporter des éléments complémentaires, ce que nous faisons, et je tiens à dire qu'à la limite, on pourrait considérer que ce sont des compléments de choses qui avaient déjà été fournies en appel, hein. Et effectivement, nous, ce qu'on voit ce soir, c'est qu'on est dans la volonté de concilier. Et concilier, ça veut dire quoi ? On a ces éléments. On demande à ce qu'ils soient appréciés objectivement et on demande à ce que, effectivement, dès la semaine prochaine, on puisse, dès la conciliation, sortir de cet épisode et entamer enfin la saison sportive, place aux sportifs. Je rajouterais à ça que pour n'importe quel président propriétaire de club en France aujourd'hui, Ligue 1 ou Ligue 2, bloquer 24 millions d'euros, ça n'arrive pas très souvent. Il faudrait montrer les exemples. Et donc, si je l'ai fait, c'est effectivement dans l'esprit de la conciliation et dans l'esprit de sauvetage du club. Parce que sinon, on aurait pris un chemin complètement différent. Donc voilà, c'est... Juste sur un petit point, la DNCG reprochait aussi un budget prévisionnel peut-être optimiste à certains postes et inversement des provisions insuffisantes pour notamment le PSE. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez revu aussi avant le CNOSF ou pas ? Je laisserai Thomas répondre, mais bon... Non, mais là, on a fait intervenir parce que nous, on a un avis évidemment sur le sujet qui... D'ailleurs, en commission d'appel, on a apporté des réponses à ça. On a un peu jugé notre budget agressif par moment. En fait, nous, on le défend forcément, mais ce qui est mieux, c'est de le faire défendre par un tiers. Un tiers qui a jugé la sensibilité aujourd'hui de notre budget et qui a répondu d'ailleurs aujourd'hui aussi au tribunal sur le sujet. C'est pas contenté juste d'annoncer notre situation de trésorerie. Il a aussi expliqué que dans notre budget, de son point de vue à lui, d'expert indépendant, il avait plutôt jugé nos hypothèses relativement, on va dire, conservatrices, ou quand elles étaient éventuellement un peu agressives, elles étaient empreintes de solutions, et on avait des solutions. Voilà. Donc, de son point de vue, cet argument-là n'est pas un argument qu'il fallait nous corriger. On avait apporté des réponses. Et encore une fois, quand on nous dit qu'on ne passe pas de provision alors qu'on ne doit pas le faire, c'est un peu compliqué. Il y a quand même une logique à respecter dans les documents qu'on a fait suivre. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple juste avant, en fait, parce que c'est un exemple classique en fait, d'une demande qui n'a pas lieu d'être et qui vient effectivement imputer le budget, mais pas à notre main, à la main de la DNCG d'appel. Le tiers, c'était qui ? Vous le verrez dans le jugement. C'est le cabinet... Non, mais... On peut le dire, mais ce sera inscrit dans le jugement, c'est le cabinet Mazar. Et juste si jamais l'avis au CNOSF était négatif ou celui du COMEX derrière, est-ce que vous savez aujourd'hui ce que vous ferez, vu le délai en plus avant la reprise du championnat ? Oui, bien sûr. On va simplifier. Si ça venait... Si le club venait à descendre en National 1, puisque là, maintenant, il est en Ligue 2. Techniquement, il est en Ligue 2 actuellement. Donc, s'il venait à descendre en National 1, c'est l'équivalent d'une liquidation du club, donc d'une destruction massive de valeur et d'une création massive de dettes et autres. Okay. Et à ce moment-là, bon, c'est aussi une responsabilité fiduciaire. Mais à ce moment-là, il ne resterait pas d'autre choix, et pour les créanciers, et pour les actionnaires, et pour le club, etc., d'attaquer en dommages et intérêts et de, à ce moment-là, rentrer dans une justice, on va dire, ordinaire, hein, une justice qui jugera ça, non pas d'un point de vue sportif, parce qu'il n'y aura plus de sportifs, mais qui jugera ça d'un point de vue économique. Bon, il est clair que, par exemple, les fonds prêteurs américains, ont une grande expérience de ce genre de situation et ont déjà, quelque part, on va dire, calculé le point de chute si jamais on arrivait à là. Et nous, c'est clair, et moi, en tant qu'actionnaire, si je mets 24 millions, c'est que je ne veux pas être là. Mais si on est là, on ne parlera plus de 24 millions ou 200 ou même
puisque à ce moment-là, il suffit juste de regarder la comptabilité du club, de voir la perte en valeur de joueurs, de voir les dettes qui sont réintégrées, qui ne sont pas remboursées, de voir tout ce qui va avec, la métropole avec 80 millions. Bon, voilà. Moi, si j'ai mis l'argent aujourd'hui, c'est pour éviter ça. Encore. Mais il est clair que les fonds prêteurs, par exemple, eux ont déjà fait ce calcul-là.